Ok, c'est parti pour ma pile à lire de mars parce que ce mois-ci, c'est mon challenge préféré de l'année qui commence, c'est-à-dire Mars au féminin de Flow & Books. Ce challenge, je l'aime tellement que ça a changé mon classement des mois préférés. Parce que oui, j'ai un classement de mes mois préférés. Et mars était... Attends, en dernière position ? Oui, mars était en dernière position ex aequo avec novembre. Et bah voilà, depuis que je fais ce challenge, enfin en gros depuis une fois, depuis un an, mars est remonté presque tout en haut de ma liste de mois préférés. C'est pour te dire. Alors attends, parce que je vais bien en foutre partout. Est-ce qu'on n'a pas un petit souci de lumière ? Super ! Bah voilà, ça n'a rien changé. Alors... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah ouais, je pense qu'au niveau timing, on n'est pas trop mal. Parce que finalement, là, quand je filme, on est la veille du 1er mars. Donc peut-être que la vidéo sera en ligne dès ce soir ou genre demain. Donc je pense qu'au niveau timing, on est pile poil. Mais en fait, j'avais déjà filmé cette vidéo et j'ai supprimé les rushs. Du coup, j'ai attendu avant de la refilmer pour pas avoir l'impression de me répéter. Mais comme là, ça fait une semaine et demie, mon cerveau depuis est passé à autre chose. C'est bon. C'est bon, je n'ai pas de mémoire sur une semaine et demie. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme livre? L'année dernière, j'avais été tellement emballée par ma pile à lire. C'était ma meilleure pile à lire de ma vie. Cette année, j'avoue que je suis un peu moins peut-être... Enfin, elle me plaît, si tu veux, mais moins confiante. Elle est peut-être un peu moins au top, tu vois. J'ai mis aussi plus de livres, donc je pense que je ne pourrais pas tout lire. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Surtout que c'est que des romans, donc voilà, je lis pas ça en général par mois, donc... Parmi ces 10, je voudrais en lire au moins la moitié. Allez, c'est parti. J'ai mis Live Maria de Julia Carninon que je t'ai présenté il y a pas si longtemps. En ce moment, en fait, je lis vachement les livres que j'ai achetés il y a pas longtemps. C'est ceux qui me font envie. Et comme je t'avais dit dans une vidéo précédente, j'arrête de repousser le moment. J'ai envie, je les lis. Donc voilà, bah, c'est des livres peut-être que t'as déjà vu il y a pas longtemps. Donc là, bah écoute, Julia Carninon, moi j'ai pas encore découvert et je suis assez curieuse de voir l'écriture. Et là, ça parle de quoi déjà? Bah de Liv Maria, c'est le nom. Et enfant solitaire, jeune fille fiévreuse, amoureuse du professeur d'été, orpheline, enfin bon bref. C'est une femme comme, comme tout le monde qui a plein de vie dans sa vie. Mère, madone, épouse, et il y a des questions sur la liberté en tant qu'épouse, tout ça. Enfin, a priori, c'est un truc comme ça. On est vraiment sur le portrait d'une femme. Donc, je suis à fond dans Mars au féminin. Ah oui, j'ai pas dit. J'ai pas fait les catégories. J'ai juste choisi des autrices, qui est, on va dire, la base, l'essence du challenge. Je vais peut-être commencer par celui-là, d'ailleurs, mon challenge. Ah bah non, je suis bête. Parce que j'ai déjà commencé. Oh non, il m'en manque un du coup. Bon, j'ai 11 livres à te présenter. Et du coup, je suis cramée, j'ai triché. J'ai commencé un livre hier, deux jours avant. Ah, bah je vais le chercher. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas du tout commencer mon challenge par Liv Maria. Parce que je commence mon challenge avec un poil d'avance. Par Meurtre et Pépites, c'est Charlotte aux fraises. Meurtre et Charlotte aux fraises, donc, qui est le tome 2 des enquêtes d'Anna Svensson. J'avais lu le tome 1, c'était très divertissant, oui je pense que c'est le mot. J'avoue que je me souviens déjà plus trop, mais c'est pas le genre de livre qui te marque à vie, hein. C'est pas là pour ça. Et en ce moment, comme c'est pas la joie, notamment dans l'actualité mondiale, voilà, c'est très bien ça, parce que j'avais commencé un autre livre que je laisse dans ma pile à lire sur genre la guerre 39-45. C'est pas le moment, ok? Donc j'ai commencé ça hier soir. Et il y a déjà un truc qui m'a fait tiquer. Hein. Des fois, c'est un peu... Voilà, il faut le lire en sachant qu'il y a des trucs, c'est un peu... Je compte également lire un Tracy Chevalier. J'en avais lu un en mars dernier. Donc je pense qu'il y a moyen que je mette toujours un Tracy Chevalier dans ce challenge. C'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'avais un petit peu arrêté de lire. Enfin, pas volontairement, mais voilà, les choses se sont espacées. J'ai lu d'autres trucs. Et en mars, je me suis dit, oh, c'est le bon mois pour ressortir Tracy Chevalier. Et là, je refais la même avec La Vierge en bleu. Je crois que c'est mon dernier Tracy Chevalier dans ma pile à lire. Ou alors, il m'en reste un autre. Bref, évidemment, j'ai trop envie de lire La Brodeuse de Winchester, mais je ne l'ai pas. Donc, je lis La Vierge en bleu. Et en gros, au niveau du contexte, je te lis, tu sais, en diagonale bizarre là. Récemment arrivée aux États-Unis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province dans le sud-ouest de la France. Et en mots-clés comme ça, seule, ancêtre protestant, persécution, guerre de religion, intolérante famille, mystérieux héritage. Voilà, et c'est écrit. Donc il y a un autre, a priori, c'est quand même sur deux époques. Non, j'en sais rien. 4 siècles plutôt, si, donc il va y avoir deux histoires sur deux époques.
Donc bah voilà, ça je sais, je pense que je vais le lire, mais je sais que je vais passer au moins un bon moment avec l'écriture, ça j'en suis sûre. J'ai également mis dans ma pile à lire Elle joue de Nahal Tajadod, que je ne connais pas. Et c'est une autrice iranienne qui parle de deux femmes en Iran. Voilà, pas de la même génération, je crois qu'elles ont une génération d'écart. Et donc très bien, je suis bien contente de lire une autrice iranienne parce que je n'ai jamais lu cette nationalité. Et voilà, je suis bien contente. En plus, elle parle de l'Iran, je veux dire, normalement elle est renseignée, tu vois. Mais pareil, à voir à quel moment, par rapport à mon mood, je suis pas sûre que femme en Iran, on soit dans un truc hyper réconfortant, tu vois. Allez, on continue chez Albin Michel. J'ai mis Alice Zénité. Est-ce qu'on dit Zénité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner sur ça? Parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai un doute. Et non, j'ai la flemme d'aller me renseigner toute seule. Quoi? J'ai mis Sombre Dimanche parce que chaque année, dans ma pile à lire, enfin très régulièrement dans des piles à lire, je mets cette autrice avec l'art de perdre et je ne le lis pas. Alors je pense notamment à Emeline qui me dit de le lire. Je sais, mais je le fais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, allez, je casse le mauvais sort là. Je remets cette autrice, mais un autre. Les Mandy habitent de génération en génération dans la même maison en bois posée au bord des rails près de la gare Nyugati à Budapest. Alors déjà, on est à Budapest. Oh bah non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que j'ai choisi? Mais j'ai pris sans regarder le résumé. Et on parle de quoi? On parle d'un jeune homme qui grandit dans l'univers mélancolique de non-dit, de secret, où Staline est toujours retenu responsable des malheurs de la famille. On est juste après l'effondrement de l'URSS. Ah bah bonne pioche, j'ai envie de te dire, super. Je le laisse quand même dans ma pile à lire, je le laisse. Mais tu as bien compris que ça ne sera pas dans le début de mon mois, ça c'est évident. Mais sérieusement, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, j'ai pris Mon mari de Maud Ventura. Je l'ai commandé d'occasion, genre sur le Bon Coin, parce que évidemment tout le monde en a parlé. J'avais trop envie de le lire et je l'ai commandé exprès pour le challenge. C'est bien le seul livre que j'ai fait venir exprès pour le challenge. Sinon j'ai pioché dans ce que j'avais déjà. Donc je vais le lire. Hein. Ça c'est obligatoire. Je veux dire, je l'ai acheté exprès pour ce mois-ci. Donc je ne peux pas ne pas le lire. Qui dit féminin dit féministe dit par exemple Bad Feminist de Roxane Gay, qui est un best-seller aux États-Unis, qui est un roman féministe. C'est dit d'ailleurs décomplexé. Non, c'est pas du tout ça. À chaque fois je dis décomplexé, mais c'est pas ce qui est dit. Ça, j'invente. Non culpabilisateur. L'écrivaine assume et revendique un féminisme imparfait. Excusez-moi, quelqu'un a vu ma voix? Ah bah si, il a écrit décomplexé libérateur. Ben voilà, je savais que j'avais pas inventé. Voilà, donc je pense que ça va être aussi question d'un féminisme intersectionnel, puisqu'il me semble qu'on va aborder la question de la couleur de peau, puisque l'autrice est une femme noire. Ensuite, j'ai mis un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis une plombe, La femme de l'aviateur. C'est Mélanie Benjamin qui parle, du coup c'est écrit 40 ans après la mort de Charles Lindbergh, découvrez la femme derrière le héros et embarquez avec l'aigle solitaire. Donc ça c'est aussi un truc qui m'intéresse. Tu sais, dans l'histoire où les femmes ont été quand même globalement assez effacées, qu'on remette en avant des femmes qui ont compté, qui ont existé et qui ont été derrière des grands noms masculins dont tout le monde se souvient. Donc, mais il y a longtemps qu'il est là, j'ai peur que le côté relique, tu sais, de ma bibliothèque me fasse un peu fuir, alors que bon, il n'y a pas de raison. Surtout que derrière, est-ce qu'on parle de Mélanie Benjamin ou de la femme de Lindbergh? De la femme de Lindbergh. Donc déjà, je vais arrêter de l'appeler la femme de, et je vais l'appeler Anne Moreau Lindbergh, qui est son nom. C'est écrit que cette personne était elle-même féministe et écrivaine reconnue. Lacune pour ma part, parce que je ne sais pas. Sensible mais solide, elle s'est battue pour affirmer son existence de femme libre. Et ce roman l'a fait enfin sortir de l'ombre. J'ai envie de te dire, une fois de plus, je suis grave dans le thème. Il y a aussi un livre audio, du coup je te l'ai dit, j'ai commencé... Alors attends, cette fois-ci j'ai retenu le titre. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, de Martha Hall Kelly. Je suis en train d'écouter ça en livre audio.
Donc on est sur fond de Seconde Guerre mondiale, ensuite trois femmes. Une femme qui travaille à l'ambassade de France à New York, donc qui voit la guerre de New York. Une femme qui est allemande et qui suit avec ferveur Hitler. Et une femme polonaise qui, elle, est envahie dès le début du roman par les forces allemandes et qui va essayer une très jeune fille qui va faire de la résistance, en fait, tout simplement. Donc on a trois points de vue, trois géographies différentes. Donc globalement, ça me plaît bien, c'est assez fort, assez puissant, et j'aime bien, moi, tu sais, quand les personnages s'alternent comme ça. Sauf que c'est un peu dur, en ce moment, de lire ça. Toujours est-il qu'en livre audio, je crois que j'ai que ça, écrit par une femme. Non, je dois avoir La part des flammes aussi, de Gaëlle Nohant. Donc à voir, j'ai ça pour le livre audio ce mois-ci. Et sinon, j'ai rajouté deux autres livres dans ma pile à lire qui sont des livres que, je sais pas, j'ai pas très envie de lire. Et je les ai mis pour des raisons différentes. Le premier, c'est Une vie de Simone Veil. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie de le lire pour l'instant, mais c'est comme ça. Mais je me suis dit quand même, ça collait plutôt bien au challenge. Donc je le mets là, comme ça je le garde sous l'œil et peut-être que ce mois-ci j'aurai envie de le sortir. En même temps, une fois de plus, putain, j'ai pris quand même une pile à lire qui est pas très fun, hein. Et le dernier livre que lui, je n'ai pas du tout envie de lire depuis que je l'ai trouvé en boîte à livres, je pensais d'ailleurs le remettre dedans. Mais je me suis dit, attends, vu qu'en mars je suis méga motivée à lire, plus que jamais, je le mets là. Et si je le lis pas là, c'est que je le lirai pas. Donc c'est À bonne école de Muriel Spark. Ça se passe dans un collège très chic en Suisse et avec un élève qui crée un roman et genre le directeur est jaloux, enfin un truc, c'était là, what? C'est quand même écrit que dans ce livre, Muriel Spark est à son meilleur. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit, allez, il est tout petit, je le mets là, juste parce que avec mon élan de motivation de lecture, peut-être que ça peut passer, tu vois. Donc voilà, pour mes 11, 12, je ne sais plus, livres que je compte, que j'espère lire ce mois-ci. Il y a évidemment un milliard d'autres livres que j'ai envie de lire parce que je regarde les piles à lire des autres gens. Il faut que j'arrête de faire ça. Parce qu'entre le Instagram et YouTube, c'est-à-dire que là, je suis sous une tonne d'une wishlist énorme. Mais non. Non, 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 il faut garder ses objectifs en vue. Je vais prendre ce que j'ai dans ma bibliothèque. Eh ben écoute, je te souhaite un super challenge mars au féminin si tu le fais. Et pour les autres, je te souhaite juste un bon mois de lecture, voilà, si tu ne fais pas ce challenge. Mais entre nous, je te conseille de le faire, c'est quand même méga cool. Eh ben voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Alors, j'allais dire à la semaine prochaine, mais peut-être pas, parce que je sais pas si t'as vu, j'ai pas filmé la semaine dernière. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était, j'avais trop de boulot. Mais là, a priori, le boulot, ça va, donc... Il y a moyen que je continue à être régulière. Bref, allez, des bisous.